fait du neuf avec du vieux. On voulait le plaquer avec Salma. Le plaquer, je vous avais dit, on le plaquera, etc. Et au final, c'est juste une horreur. Du coup, on ne veut pas trop perdre de temps. Ça, je suis obligé de le remonter, en fait, avant d'attaquer le plafond. Je suis obligé. Du coup, il faut trouver une solution. Et on s'est projeté pour savoir la couleur qu'on voulait faire dans la chambre. Et du coup, on veut partir sur une couleur bien définie. Donc, c'est bon, on a les couleurs. Donc, on a acheté cette petite bombe or pour faire les détails. Et donc, ce coffre-là, plus le retour de siège, sera en or. Et le reste, bah, vous verrez, hein, c'est une surprise. Mais voilà. Donc, on va le peindre et puis on avisera sur les détails à cacher. Parce que vous voyez, là, ici, par exemple, il y avait le truc pour appuyer, là, la sonnette pour arrêt demandé. Et ça, c'est, vu que c'est du vinyle, c'est très compliqué à gérer. Donc, du coup, je verrai, bon, on mettra un truc pour cacher. Hein. De toute façon, c'est pas très gênant. Hein. C'est pas très gênant. Voilà. On va faire cette couleur-là. Ça rend super bien. Beau, hein. Ouais, ça rend super bien. C'est ce que je voulais. On va pas trop la forcer. C'est du vinyle. Hein. Pas envie que ça coule. On va juste faire une petite couche déjà comme ça. Ça rend bien, hein. Ah, c'est sûr. Donc on a repris l'isolation. Alors Salma, la spécialiste de l'isolation. Si vous avez de l'isolation à faire dans vos vannes, dans vos camions, dans vos bus, n'importe où, vous appelez Salma. Salma, elle est maline, hein, je te le dis. Elle sait calculer les planches nickel. Moi, ça me prend la tête, moi. Cette isolation de côté, c'est pas terrible. Bon, résultat des courses, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de finir l'isolation latérale. Donc, comme je vous disais, on a fini de peindre. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais vous emmener là-bas. On a fini de peindre le meuble du haut, là, qui va cacher les fusibles. Donc, il est juste là. Attendez, bougez pas. Voilà, il est juste là. Donc, ça, c'est le meuble du haut qui va en haut là-haut. Donc, on a fini de peindre. On le laisse sécher bien correctement. Ensuite, on ira le remonter. Donc, là-bas derrière, où il y a la boîte à fusibles. Et puis après, une fois qu'on l'a remonté, bah on verra ce qu'on fait. Parce que là, du coup, on n'a pas tenu le challenge. On a eu des jours compliqués. Là. Les deux derniers jours, ça a été assez compliqué. Je voulais vraiment finir absolument l'isolation latérale sur les côtés, là, vous savez. Alors Salma, elle a presque fini son côté. C'est vraiment pas grand-chose. Mais moi, je suis à la bourre derrière. Je me suis tapé le décapage du fond, machin. Enfin, ça a été un peu une horreur. Donc, résultat des courses, on a pris un tout petit peu de retard. On pourra pas finir l'isolation cette semaine. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le challenge, il est que quand même, ça avance. Voilà, c'est surtout ça. Professionnel. Hein? Professionnel. T'es vraiment ça comme elle rentre ça, mon petit. C'est impeccable ça! C'est impeccable. Ça, c'est du bon boulot ça. Ça, c'est du travail d'artiste. C'est vrai? Bon, on va finir ça. Et puis, il reste pas grand chose. Salma, franchement, elle a bien avancé. Ouais. Moi, je suis à la bourre là-bas. Bon, allez. On va continuer tout doucement, tout doucement. Allez, c'est parti. Moi, faut que je me motive parce qu'aujourd'hui, je suis à la ramasse complète. Bon, les copains, on a fini l'isolation des côtés, ça y est, droite, gauche. Ouh, j'en peux plus, cassé. Mais bon, fallait le faire, hein. On est obligé. Alors, ça n'a pas été évident, il y a eu des découpes un peu à faire, mais bon, voilà. On est obligé d'isoler un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse surtout d'isoler, c'est le plafond et le sol. Comme vous savez, le froid monte. Donc, voilà. Là, on va mettre un grand coup de nettoyage. Enfin, je vais mettre un grand coup de nettoyage parce que le polystyrène, évidemment, on en fout partout quand on découpe, quand on casse, quand on bourre. Donc, c'est pas forcément super propre. Donc, on va nettoyer ça. Et puis après, ben, on va voir ce qu'on va faire. Ça y est, on a rangé un peu, ben, on y voit un peu plus clair maintenant, ça y est, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a ramassé tout ça. On va, je sais même pas, je suis perdu. Si, je vais jointer le fond là-bas. Alors, j'ai le fond, j'ai la jointure du caisson à faire, plus 2-3 trous à boucher. On a repeint l'encart de la fenêtre à l'arrière en noir. Hop. Je vous montrerai une fois que c'est fini, parce que c'est jaune, du coup on ne voulait pas le laisser jaune. J'ai repeint mon caisson une deuxième couche. Je vais le vernir, passer une couche de vernis, comme ça sera nickel. Et puis, je vais aller acheter du liège, du coup, pour finir l'isolation donc, du caisson du bas. Et puis, on attaquera le plafond. Voilà, on attaquera le plafond. Donc, j'ai commencé à gommer. On va commencer à fixer les tasseaux. Et puis, qu'est-ce qu'on fera? Puis on passera les fils électriques donc pour le plafond. Et puis, les panneaux solaires, il faudra faire sortir les fils.
Et puis, ça fait beaucoup de épuis en fait. Hein, mais bon, il y a tellement de choses à faire que des épuis, je peux t'en sortir pendant 25 minutes. Mais bon, on va s'en sortir. Voilà, donc on va continuer ça. Je suis content, on est content parce qu'il est tout propre. Du coup, ça fait plaisir de le voir comme ça. Plus de polystyrène qui traîne de trop. Il faudra quand même passer un bon coup d'aspirateur pour aspirer les dernières billes qu'il y a. Avant de faire le sol, quoi. Voilà. J'ai pris le produit d'ailleurs, je voulais tester. Et ah oui, et Salma m'a fait penser, on a acheté un produit, on a acheté un produit qui enlève les autocollants, parce qu'on a des autocollants, vous avez vu, à l'extérieur de la carrosserie, il faudra penser à les enlever, et c'est vrai que hier on est passé dans un magasin, on a vu ce truc, et Salma en avait entendu parler sur Instagram ou je sais pas quoi, donc du coup on l'a acheté, et puis on le testera bah, quand ce sera le moment d'enlever les autocollants, je pense pas qu'on le fera aujourd'hui, mais bon, on verra. Bon allez, nous on va continuer tranquillement, parce que j'ai encore un peu de taf, mais je suis content, hein, franchement, je suis super content, voilà. Allez, alors, on a fini l'isolation donc, du caisson arrière. Voilà, donc on a plaqué au liège parce que là, je ne pouvais pas mettre de polystyrène ni de styro dur parce que, en fait, j'ai les trous en fait, qui viennent. Vous voyez, ici, il y a les deux trous. Il y a les supports de siège qui viennent s'enfiler et qui se visent derrière par le moteur. Et si je mets une plaque de polystyrène, ben, ça va me cacher les trous. Et puis, il faut creuser le polystyrène, c'est la merde. Donc, j'ai opté pour le liège. Le liège comme ça, ça me laisse la place nécessaire pour rentrer les casiers. On siliconera les trous, on mettra les tiges filetées à l'intérieur, on boulonnera de l'autre côté, bien serré, terminé. La prochaine fois, il faudra que je répare ce morceau de bois là où il y avait la fuite. J'avais été obligé de casser parce qu'il était pourri. Donc on le nettoiera bien propre, on le coupera bien propre, on mettra une autre planche. Et puis on attaquera donc le remontage du coffre en haut. On pourra remonter le circuit électrique parce que bah, là il démarre pas vu qu'il est démonté. Et on le fera tourner un petit peu parce que ça fait 15 jours qu'il n'a pas tourné. Oui, oui, bah ouais. C'est top ça. Ça, c'est top. Ouais, les garde-boue là, vous voyez, Salma elle est en train de le regarder. On a acheté du rouleau, tout à l'heure, on a acheté des rouleaux de liège. Donc c'est 4 mm, c'est super fin. Et du coup, Salma elle m'avait dit pour les garde-boue, parce que ça on ne peut pas le supprimer, à moins de faire un caisson, mais bon, on perd de la hauteur. Donc du coup, Salma m'avait dit on fera une isolation avec le liège et ça marche nickel. Et les chutes comme ça là qu'on a récupéré, hop, les chutes comme ça qu'on a récupéré, et eh ben ça viendra isoler l'interne, mais l'interne ici, le métal ici, on viendra isoler avec des bandes là. Et puis après, une fois qu'on fera le plafond, on plaquera le retour en lambris PVC. Et puis voilà. Ça avance tout doucement. Voilà. Alors aujourd'hui je m'arrête parce que j'ai oublié comme un idiot mon chargeur de la visseuse. Donc je voulais attaquer le. Bah de fixer les premiers linteaux au plafond, mais je peux pas parce que j'ai oublié ma visseuse. Donc on fera ça demain. Voilà, allez, on va rentrer nous, on vous fait des gros bisous et puis bah, on avance un petit à petit. Tapez sur les commentaires si vous avez des idées, si vous avez des choses aussi, j'y pense jamais, mais si vous avez des fois bah, des idées, des trucs qui vous viennent, envoyez, hein, parce que, ou des conseils, etc. On est preneur de tout. Voilà, on vous fait des gros bisous, Mamilette. Bisous, bisous. Fais des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bon, à plus tard, à demain, ciao! Bon, on n'avance pas vite, hein, mais c'est un peu la galère, franchement, c'est un peu la galère. Mais bon, on s'y attendait, de toute façon, qu'il y aurait des moments un peu... C'est arrivé à peu près, je crois, à tout le monde d'ailleurs. Tous ceux qui ont fait des bus, des camions, il arrive un moment où tu prends un coup de bambou, comme on dit. Voilà, où tu as une démotivation bah, de ne pas faire les choses, mais des fois, quand tu vois l'ampleur des travaux, ça peut être un peu décourageant. Mais bon, on avance petit à petit, c'est ça qui est... C'est ça qui fait du bien aussi, c'est de voir que ça avance. Bon. Alors hier, on a fait quoi? Hier, on n'a pas eu trop le temps de filmer parce que du coup, on était un peu dans le rush. Il fallait finir avant l'heure de partir, etc. Donc, on a fait quoi? Vous vous rappelez, on a plaqué en liège. J'ai plaqué derrière le petit morceau là qui manquait, qui avait pris l'eau, là, qui avait pris l'humidité. Donc, on a remis un plaquage derrière et après, on a plaqué ça avec du lambris en bois et que j'ai peint en noir. J'ai tout peint en noir. Pourquoi? Parce que dessus, vient se fixer les châssis sur lesquels viendra se fixer mon lit. Et dessous, là, ce que j'ai peint en noir, les lambris, en fait, c'est dessous le lit. Voilà, donc c'était juste pour que ça soit propre. Et c'est pas décoratif, c'est juste que ce soit propre. Voilà.
Après, je verrai ce que je fais au niveau du lit. L'avancement, normalement, c'est un 140 de large. Donc, il va venir à peu près presque, presque ici, là, au début du couloir. Donc, est-ce que je vais... Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je fais une fois que le lit est posé, on verra. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va remonter le coffre. Ça y est, parce qu'il est sec. Donc, du coup, on va remonter le haut du coffre. Après, on essaiera de faire le plaquage donc, de l'arrière. Et puis, on attaquera les tasseaux sur le toit pour poser le PVC et le passage des câbles électriques. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu sur ça. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah, allez, c'est parti. Go. Les copains, aujourd'hui ça a été une journée galère, hein, galère, découpage, vu que le bus n'est pas droit en fait, toutes les mesures que je prends sont pas bonnes, ça fait arceau derrière, vous voyez, là c'est mon temps, ici là, c'est mon temps noir, j'arrive pas, je vais tourner la caméra, attends. Ah, les montants noirs que vous voyez ici, là, en fait, ils sont pas droits. Ils sont pas droits, ils sont comme ça. Donc, du coup, les découpes, vous voyez, rien qui tombe droit. Mais bon, c'est pas très grave, parce qu'après, on a le plaquage latéral qui va venir se glisser dessus. Donc, ça cachera, mais c'est une sacrée galère. Bon, aujourd'hui, on a fait quoi? On a réinstallé le meuble du haut. Donc, le coffre, vous savez, le coffre à fusible. Donc, on l'a réinstallé à sa place. On a installé les châssis d'origine pour pouvoir faire mon lit à bascule, mon lit avec vérin. Et on a commencé donc le plaquage droit, vu que c'est pas droit, vous vous rappelez. Donc on va faire droit, on va faire une tablette. Et puis ensuite, on va faire le retour, donc les deux retours qu'il y a de l'autre côté autour de fenêtre, là, qui sont pas droits aussi, qui sont légèrement en arrondi comme ça. Donc c'est une petite galère, franchement c'est une petite galère parce qu'on perd du temps dans les découpes, machin, etc. C'est sûr que c'est toujours un peu emmerdant, mais bon, on est obligé de le faire. Dès qu'on a fini l'arrière, alors oui, pourquoi je plaque l'arrière avant d'attaquer le toit? Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis pour les gens qui arrivent en cours. C'est parce que tant que j'avais pas réinstallé ce bazar là, je peux pas attaquer mon plafond parce que les lambris viennent buter dessus. Voilà, je les fais pas passer à l'intérieur, ça passe pas. Donc il faut que je vienne les faire toucher dessus. Donc tant que j'avais pas repositionné ça, je pouvais pas attaquer le plafond. Et en attendant, on avait calculé à commencer à faire le plaquage primaire, parce qu'après c'est pas le plaquage qu'on voilà. Bon, il y a un autre truc qui vient se coller dessus après en finition, mais c'est le plaquage déjà primaire. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a un petit peu avancé, mais bon, c'est un petit peu, comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on fait avec. Hein. Tu fais quoi? Je coupe mes planches. Il faut bien les couper. Oui. Et tout concentré. Ça requiert la précision. Tu coupes sur quoi? Sur cette machine? Ouais, ouais. C'est quoi cette machine? C'est une coupeuse de bois. Mm-hmm. Ça coupe le bois. Qui manque 72. Allez, on va tracer ça droit avec la réglette. Après, on va coupailler. Couper. Thank you.
a coupé des planches. Viens D avec moi. On va finir le plaquage aujourd'hui, ça serait bien. Viens D. On va finir le plaquage aujourd'hui, comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse attaquer le. Vu qu'il y a un grand week-end, c'est le week-end de Pâques. Du coup, ce serait bien qu'on puisse aller acheter le matériel demain, samedi. Comme ça, on peut travailler tranquille. On a tout ce qu'il faut pour bosser le dimanche et le lundi. Voilà, comme ça, on peut avancer bien. On a commandé les spots avec Salma, ça y est, on a pris des spots noirs, 24 volts. On les a pas payés très cher, on les a payés 9,99€ l'unité. On a commandé 15. 10€ quoi. C'est ça ? 15 spots on a commandé, donc on les recevra entre le 20 et le 25. Mais ça ne nous empêche pas, vu qu'on a le diamètre du perçage, on pourra commencer à passer à laisser en fait, on mettra les plaques PVC au plafond, on les percera, on les pré-percera, et on fera descendre les câbles à l'intérieur des trous, et comme ça, quand on reçoit les spots, on a juste à les brancher, puis à les encastrer. Voilà, comme ça, on gagnera du temps. Parce que si on attend le 25 pour attaquer le plafond, Après, ça dépend, des fois, ils te disent ça, mais tu les reçois à l'avance, quoi. C'est pas faux. Salma, qui est très habitué des commandes en ligne, elle le sait. Allez, c'est parti, mon kiki. Je suis pas derrière là. Je vais recouper mes planches. Je vais même vous présenter la salle derrière. Mais quoi ? On va faire les fous. Je vais mettre une baignoire dans le bus. Je vais mettre ma baignoire, elle est là, elle m'attend. Je vais l'encastrer. Je vais me faire un sauna spa hammam. Ah, je rigole. La caféine n'est pas bon pour la santé. Je confirme. Enfin, c'est bon, mais trop, c'est pas bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu prépares là? Explique-le tout. On fait la tablette. On fait la tablette arrière. La première tablette, après on fera la finition. Mais on fait le coffrage déjà de l'arrière. Et puis après. Après on verra ce qu'on fait. Ça a déjà d'être droit, ça serait bien. C'est vrai que c'est pas évident, le bus il est pas. Ah, il est pas droit en fait. Il est pas droit, il n'y a rien qui est droit. Tout est en arrondi et en machin. Donc c'est vrai qu'à prendre les mesures et tout, c'est un peu la galère. Parce qu'il n'y a rien de droit quoi. Mais bon, ça va, il y a pire. Ouais, il y a pire. Il y a pire. Là ça va, quoi. C'est juste. Là on voit que le coffre du haut a été pas. C'est vrai que c'est un peu merdique, mais bon, après, on fait avec. Hein. Surtout quand c'est la première fois que tu fais un bus, tu découvres des choses en fait que tu ne sais pas forcément. C'est-à-dire que tu découvres que suivant les bus, la forme, c'est pas la même, machin. Donc c'est vrai que c'est un peu du sur-mesure, on va dire. Mmh. Après, est-ce que ça change réellement par rapport à un véhicule que tu aménages? De toute façon, quoi qu'il arrive, tu es toujours obligé de faire à peu près du sur-mesure. Il n'y a rien qui... À part, comme je disais, si tu vas chez un mec qui fait de l'aménagement de véhicule et tu payes je sais pas combien, et le mec, il te fait tout ça, mais il le fait lui aussi sur mesure. Donc, de toute façon... Il faut du sur-mesure. Il faut du sur-mesure. Il faut du sur-mesure. Bon, allez, on va finir cette tablette. Puis, on vous montre quand c'est fini. C'est tout bon. Et après, tu vas la visser quand même, tu vas la... Et c'est pour ça que j'ai mis les tasseaux derrière, parce que là, derrière, je vais visser là, sur le contre-plaquage, le plaquage primaire. Ouais. Et après, là, on viendra y mettre la finition. Une fois qu'on aura posé le lit, le châssis du lit, qu'on aura plaqué les côtés, on aura la dimension exacte plaqué du... Et le sol aussi. Non, pour le coffre, je parle. Oui, du coffre, mais avant de mettre le lit, il faut plaquer le sol. Oui, oui, d'accord, oui, bien sûr, bah oui. Que les personnes comprennent qui regardent la vidéo. Ouais. Pour le plaquage finition, moi je parle de ça, du plaquage là, ça viendra se plaquer une fois qu'on aura toutes les dimensions de finition.
Comme ça, on viendra plaquer la finition dessus, parce que ça reste pas comme ça, je le peins pas comme ça. Donc, on viendra plaquer la finition, la tête de lit, en quelque sorte, même si le lit, la tête n'est pas là, le lit sera comme ça, mais je veux dire, ce sera quand même une tête de lit, parce qu'on va rentrer par là, ouais. Et on verra le... voilà. Donc, on viendra plaquer la finition dessus, une fois que ça finit. Là, c'est la... J'ai déjà les décos en tête. Là, c'est la structure primaire, on va dire. Voilà, c'est la structure primaire du coffrage. Et, puis, voilà. Et on fait avec de la récup, pour la plupart, hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des dimensions parce qu'on a énormément de bois en fait dans l'entrepôt à faire de la récup. Donc au lieu d'acheter des planches pour couper vraiment pile poil les dimensions, chose qu'on fera pour la finition. Oui. Pour la finition, on achètera des planches vraiment pour faire le plaquage propre aux dimensions exactes. Mais pour faire le coffrage entre guillemets primaire, on utilise du bois de récupération parce que du bois on en a en voiture. Voilà. Oui, donc, ouais. Voilà. Donc on fait des petites décos comme ça, ça fait un peu flic, mais au moins on passe le bois, on n'en achète pas. Donc voilà, allez, je vais visser ça. Je vais prendre le bazar pour voir si c'est droit, et puis c'est bon. A tout à l'heure, on vous montre quand c'est fini. Bon voilà, le travail est fini pour aujourd'hui. Alors, on ne peut pas faire des grandes journées, c'est un peu pénible, mais bon, tant pis. On va faire un petit peu tous les jours. Donc on a fini le plaquage là derrière de la tablette, avec la tablette qui a été faite en haut, plus le contreplaquage de la fenêtre. Voilà, il restera juste le contreplaquage donc de l'arrondi là. Donc elles sont prédécoupées, elles sont là, il suffit de les monter mais j'ai pas le temps. Donc on viendra fermer et après qu'est-ce qu'on va faire? Après on va faire deux placards en fait de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va vers la fenêtre là, on va tirer droit. On va tirer droit et on va faire attendez, je vais tourner la caméra peut-être. Voilà, donc on va faire deux placards en fait, on va faire de chaque côté. Donc un qui vient comme ça, on va fermer en fait en cube le côté de la fenêtre. On va faire des placards pour éviter de perdre de la place parce que c'est en arrondi, donc de toute façon on ne peut pas l'utiliser. Et pareil de l'autre côté, on finit le plaquage primaire donc de derrière. Et puis ensuite on viendra faire un deuxième placard ici. Et puis après, ben, normalement, une fois qu'on a fait ça, on attaquera le plafond. Voilà. Bon, on va finir pour aujourd'hui, on va finir sur ça. On se dit à la prochaine. Pour continuer les travaux du bus, bah oui, parce qu'il faut continuer. Bon. Pour se motiver un peu plus. Oh, parce mais là, il faut qu'on aille au magasin pour regarder le plafond. Ouais, le magasin, et on va commencer à regarder les lattes PVC, prendre je sais pas combien, j'ai même pas calculé en fait, la surface qu'il nous faut. Mais bon, c'est pas grave, on va le regarder, et puis on attaquera, dès que ça sera fini, on attaquera direct le truc. Et bien penser à tous les câbles, voilà, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commandé les spots, donc il faudra faire tirer les fils là où ça doit ressortir. Et là aussi, c'est du calcul, c'est un peu de la prise de tête. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Bon, on est déjà pas mal content déjà de voir que déjà ça se coffre un petit peu tranquillement et puis que ça avance petit à petit. C'est pas le plus gros du travail, mais bon, il faut le faire quand même. Voilà, on va vous laisser sur ça des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, bisous.